Et bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo sur TPF2. Aujourd'hui, nous allons encore faire une nouvelle voie ferrée et nous allons attaquer cette ligne diesel qui est juste là. Alors, je sais pas trop encore comment je vais la faire. J'imagine bien du coup en fait une ligne qui partirait donc de Gisors en traction diesel et une ligne qui arriverait ici. Ces deux lignes-là se rejoignent là. Ici, elle s'arrête à Albi. Et elles continueraient toutes les deux en direction d'une ville qui est par là. Enfin, il y aura une ville ici, il y aura une ville ici. Et à Lérouville, en face de Lérouville, peut-être ici mettre une ville un peu plus grosse où il y aurait plusieurs lignes qui se rejoignent à nouveau. Je pense que ça pourrait être sympathique. Donc, on va se faire ça. Donc, on va prendre nos voies pour tracer la ligne au départ d'Albi. On va prendre des voies à 160. J'imaginerais bien par exemple un train avec des 72 000 qui serait assez rapide, qui serait direct jusqu'à, enfin de Albi à la petite gare, la gare qui serait par là, sans s'arrêter peut-être. Je pensais mettre une ville à peu près ici, je pense, ou en face de cheminots, je sais pas trop, peut-être là. On peut mettre une ville par là, mais c'est un peu proche en vrai. Je sais pas, on va voir comment on fait. On va d'abord placer la voie, puis s'il faut après on placera une gare et une ville. Donc voilà, donc là petit bout de voie à 160, alors pas de caténaire par contre, donc non. On va 160 jusque là, hop. Ensuite là on voit qu'il y a une petite colline sur la droite, donc on va passer à gauche. Voilà, comme ça. Là c'est pas mal. Hop, nickel. Donc un truc comme ça. Là on va continuer un peu en ligne droite jusqu'ici. Hop, voilà. Et là, on va tourner là comme ça. Voilà, parfait. Hop. Et là, une ligne droite. Une grande ligne droite même. Hop. Comme ceci. Donc là, est-ce que je passerai une gare par là? On est en face de quoi? On n'est pas en face de cheminots. J'aurais bien mis un truc en face de cheminots, mais en vrai, pas forcément. En vrai, je peux mettre une petite gare ici. Ça peut être sympa. Donc, on va se mettre à une petite gare. Qu'est-ce qu'on se met comme gare? Ça, c'est la bonne question. Est-ce qu'on se met un truc... Non, pas un truc moderne. Je pense qu'on fait un truc ancien, là, encore une fois. Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup de bâtiments anciens, mais je les aime bien. Mais en tout cas, pour ce style de gare-là, c'est ce qu'il faudrait. 240 mètres, c'est largement suffisant. Et pas de caténaire. Voilà, parfait. Voilà, quelque chose comme ça, ce sera pas mal. Hop. Ah, par contre, du coup, la voie est limitée à 120 ici. Ça ne va pas. Il faut que... Ah mais du coup, mais voilà, ça marche plus. J'ai un mode qui fait foirer les voies ici. Bon, tant pis, c'est pas grave. Ce sera des voies à 120 au niveau de la gare. Bah, on peut y justifier dans le RP par une courbe à 120 juste derrière. Hein. Voilà, regardez. Là, hop, une petite courbe à 120 km/h. Pour éviter, admettons, je sais pas, quelque chose. Voilà, et puis voilà. Là, 120, hop. Hop, voilà. Là, un petit ralentissement à 120. Voilà, pour passer entre les arbres, parfait, voilà. Voilà, on justifie. On justifie le fait que la gare soit à 120. Voilà, parfait. Et donc là, on peut reprendre à 160 km/h. Hop, voilà, sur du plat. Vendu. Et donc là, oui, par là. Alors, faudrait, à la limite, faudrait presque continuer cette voie qui est là. Pour pas être embêté. Hop, donc voilà, on va laisser là comme ça, trancher. On va prendre 140 km/h en électrique. Hop. Et on va faire une petite montée. Voilà, là, comme ça. Hop. Voilà, on monte un peu sur la colline. Est-ce que je la contourne ou est-ce que je fais un tunnel? Ah, je pourrais la contourner un peu quand même. Hein. Voilà, je ferais bien un truc comme ça. C'est sympa, ça. Là, on est pas mal là-dessus. Hop, là, il me propose un pont. Donc, on va calmer la pente. Hop, voilà, là, on se met sur du plat. Voilà, quelque chose comme ça. Ouais, j'aime bien. J'aime bien l'idée de cette voie qui est là. Hop, qu'est-ce que ça rend? Ouais, ça rend plutôt bien. Ouais, ouais, c'est parfait ça. C'est parfait. Et donc là, hop, là un tunnel. Mais du coup, après on sort trop haut. Comment je fais? Là, c'est la petite, petite phase de réflexion. Comment je peux faire ici? Sachant que cette ligne-là doit traverser... Enfin... En gros, ici, j'aimerais une gare. On peut vachement terraformer, sinon. On peut se faire un gros terraforming. Mais ça ferait quand même une grosse ville à côté de Lérouville.
Vous voyez là si je refais une gare de bifurcation. Comment je peux faire? En fait, grosso modo, l'idée c'est que la ligne diesel elle passe comme ça. Et que par-dessus, j'ai la ligne électrique qui passe comme ça. Et que pourquoi pas la ligne diesel, enfin une des deux lignes diesel retournerait à l'Hérouville, vous voyez. Donc je sais pas comment faire. Ouais c'est ça, en gros l'idée c'est que la ligne diesel elle termine à l'Hérouville. Donc là il me faudrait une gare de bifurcation. Est-ce que je la mettrais par là? Quitte à terraformer toute la montagne, c'est pas un souci. Là on peut se dire que là on va mettre des voies à 120 ici, hein, c'est pas gênant. Voilà, on se met sur du plat et on terraforme. Admettons jusque là, voilà, là on est sur du plat, hop. Là je mets ma gare. Donc on peut mettre une gare un poil plus moderne mais sans plus, voilà, 320 mètres. Pas besoin de mettre du 400 mètres ici par contre. Hop, voilà, on pivote. Électrifié, oui. 4 voies, hop, voilà. L'idée ce serait de faire ça. Bien sûr, on rase la montagne là, cet endroit là. Et une place à une ville, hop. Admettons, je fais comme ça. C'est pas mon outil, voilà, mieux. Bon, admettons, on part là-dessus. En y rendant plus joli après. Voilà. En refaisant le terrain bien comme il faut. Donc. Là, je m'agare. J'ai ma bifurcation. Mais le problème est. C'est que si je fais continuer la ligne en face. J'ai plus de gare là. J'ai plus de gare. Alors est-ce que la solution ne serait pas de placer une deuxième petite gare? Il y a peut-être des idées. Il y a peut-être des idées qui arrivent. Attendez, ce qu'on va faire c'est qu'on va tracer cette voie là à 120. Même 100, ouais 120, allez. 120 ici. Hop. Toi tu es sûr qu'on aura besoin de toi. Toi c'est sûr qu'il faut... Est-ce que je mettrais pas un petit pont? Qu'est-ce que j'ai comme pont sympathique? J'ai celui-là qui est sympathique, ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme pont? J'ai celui-là qui est particulier. Ouais, non. Celui-là, je vais plus pour une autoroute à la limite. Ouais, bah écoutez, sinon on met le classique pont... En vrai celui-là est sympathique. Peut-être mettre celui-là. Il y a celui-là où il y a... Je ne retrouve plus. Quel enfer. Quelle indignité. Il y a tout cela après. Ouais non, celui-là je suis moins fan des piliers. Les piliers sont pas beaux en fait sur cela. Ouais non, les piliers vont pas. Voilà, après il y avait ce style-là. Mais je sais plus lequel c'est. Ouais non. Celui de base du jeu, voilà celui-là. Ah ouais non, ok. Celui-là est mieux quand même. Les arches sont... Ouais non mais... Je sais pas, les arches, j'ai du mal avec ces arches-là. Non, on va mettre celui en béton. Et celui-là, c'était lequel? Il y avait celui-là aussi, ouais. Non, mais celui en béton basique était pas mal. Par contre, on est vachement haut. Est-ce que je dois refaire descendre ou pas? Parce que voilà, de l'autre côté, il n'y a pas de colline. Si, il y a une ligne là-bas, mais c'est très loin. C'est très loin. Donc, ok, on va refaire ça. Là, on va descendre. Hop, voilà. Là, admettons, on terraformera tout ça. Jusqu'ici. Voilà. Hop. Et là, hop, on terraforme encore. Voilà, hop, jusque là. Ok, quelque chose comme ça. Et là, on met le viaduc. Là, on met le viaduc. Alors du coup, je sais plus quel c'était. Voilà, la ligne droite elle est là. Le viaduc, on a dit qu'on prenait. Alors, pas celui-là, mais celui qui est par là. Non, c'est pas celui-là. Ah, j'en ai deux différents là, ok. J'ai pas... Ah oui, les piliers sont. C'est pas les mêmes, c'est ça. Ah, la couleur du pont est pas la même, d'accord. Bon, on s'en fout un peu. Alors, non, bah c'était celui-là alors. Ouais, on a que celui-là en fait. Ok, bah, c'était bien celui-là. Qu'il me faut. Mais je suis pas fan des. Ah voilà, c'est bon, c'est celui-là. Ok, mieux. Voilà, ça c'est pas mal ça. Hop. Et là. Comme ça. Voilà, là on est bien là. Alors c'est vrai que ça fait un peu un pont énorme.
Je sais pas si dans la vraie vie il y aurait des ponts comme ça qui existeraient, je sais pas du tout. Hop, et là l'idée c'est quand même de rester en talus et de redescendre progressivement. D'ailleurs, je sais même pas ce que je vais en faire de l'autre côté de la ligne. Parce que là, ouais, là j'ai pas besoin d'une voie ferrée. Il y aura celle-là qui ira jusque-là au pire. Donc là, depuis que je tourne à gauche, il faudrait que j'aille là-bas. Hop, là on va augmenter un peu la vitesse à 140 km/h. Hop, et là on se met sur du plat. Il y aura une gare ici d'ailleurs. Hop, voilà, on mettra une gare par là. Pourquoi j'ai un pont là? Oh là là. Mais bon, un talus. Le talus de ses morts. Voilà. Donc là, ça fera quelque chose comme ça. Hop, on passera sur le pont. Et après, on aura la gare derrière. Ok. Voilà. Et nous, ici. Donc en pas de caténaire. On va descendre progressivement. Hop. Il y aura tellement de terraforming à faire. Oh là là, au secours. Dans quoi je m'embarque? Dans quoi je m'embarque? J'aurais pas dû monter autant en fait, je pense. Hop, voilà. Hop, j'aimerais bien voir le 120. Hop, voilà. Voilà, quelque chose comme ça. Oh, le terraforming que je vais me faire en off là, c'est énorme. Ça va être énorme. Ouais, donc là, comme ça. Ok, pourquoi pas. Je sais pas. Ouais, c'est bizarre en vrai. J'aime bien l'idée de mettre une gare ici en fait. Mais j'avoue que ça. Ouais, faudra voir terraformer une fois. On verra ce que ça donne terraformer, ouais. Là, je t'ai passé à 160, c'est ça les voies? Ouais, 160, ok. Donc là, une grande combat 160. Voilà, hop. On va aller jusqu'ici. Hop, voilà. Voilà, hop, on va faire comme ça. Et là, 120. On descend encore là, on est d'accord, hein, on descend encore, c'est bon. Hop, là on va essayer de se mettre à peu près à la même hauteur. Je vais pas être trop mal là, je pense. Hop, là. Et là comme ça. Un bout de ligne droite. Et là on raccorde. Hop. Alors qu'est-ce que ça rend? Ouais, ça c'est plat, ça va. C'est même très bien comme ça. Et là hop, la grande montée pour arriver en gare. Et ouais, là c'est ça, c'est ce bout de voie là, je sais pas quoi en faire. Parce que pour moi il faut qu'il continue. Pour en vrai est-ce qu'il faut vraiment qu'il continue? Non, en vrai cette voie là je n'ai pas besoin hein. En vrai, je n'ai pas besoin. On fait tout arriver à l'Hérouville. Ouais, ouais, c'est ça. Faut pas s'embêter. Donc là, on va supprimer jusque là. Et on fera de grande courbe plutôt. Voilà, ouais, non, faut pas s'embêter. Faut aller jusqu'à l'Hérouville, je pense que ce sera mieux. Ah, 155 km/h, c'est dommage. D'ailleurs, là, non, pourquoi en pente? On va faire autrement. On va faire autrement. Voilà, là, comme ça, hop. 160, c'est parfait. Hop. Jusque là. Par là. Voilà. Ok. Ouais, voilà. Donc là, finalement, notre ligne, après, elle dessert ici. Et là, hop, ça arrive à l'Hérouville. Ok. Donc là-dessus, on est bon. Ensuite, donc, j'aurai ma ligne diesel principale, on va dire... celle avec les potentiels 72 000 qui s'arrêtera à l'Hérouville. Et celle en XTR qui, je sais pas, qui pourrait continuer par là vers une autre ligne diesel qui serait plus loin ou même électrique, c'est pas grave. Mais voilà, l'idée c'est ça. L'idée c'est ça et je pense qu'on est pas trop mal là.
On est pas trop mal. Bon, le terraforming, je le ferai plus tard en off. Je vais pas vous imposer ça. On va continuer plutôt la ligne de ce côté-là, du coup. Donc là, on partirait sur une ligne électrique. Et il faut que j'ai un axe principal qui aille vers le nord, du coup. Et ma ligne diesel qui pourrait aller par là. Et ouais, vers cette tache verte-là, ça pourrait être sympa. Je vais mettre un petit marqueur, un petit point. Pour m'en souvenir. Hop, en mettant une petite peinture au sol, voilà. Il faudrait arriver ici. Ok, donc c'est parti. Là, on reprend notre ligne. Donc, en électrifié. 160 km/h, 140 km/h. Allez, 140 km/h. Voilà. Sauvegarde auto, on attend. On va rester un peu en hauteur à cet endroit-là. Donc, c'est là-bas à droite. Ok, donc il faudra que je fasse la bifurcation pour que ça passe là-dedans au milieu. Ok, donc on a un peu de marge. Hop, voilà. Donc quelque chose comme ça. Et là, faut monter. Là, ça monte après derrière. Ok, là-bas, ça monte. Donc même à partir de là, faut que je monte d'ailleurs. Voilà, à partir de là, je monte. Hop. Voilà, quelque chose comme ça. Ah, je monte trop là. Ça monte trop. C'est vraiment ça, c'est la pire des choses, c'est les rampes, on sait pas à combien faut monter, s'il faut monter vite ou pas. Là j'étais pour au copon écran par contre et ça montait trop. Là je monte pas assez, vous voyez. Ça c'est horrible ça. Ça c'est horrible. Donc si je remets là et je mets une rampe là comme ça, là je monte trop. Donc on va descendre un peu. Et là, je remonte encore trop. Alors que je suis franchement presque au même cran. On va peut-être faire un bout de ligne droite, de plat, voilà. Et là. Ouais, là comme ça. Ok, là ça passe. On montera. Ouais. Ouais, ça va, ça passe. Hop, voilà. Ensuite, nous allons se remettre sur du plat ici. Voilà. Et ici donc, il faut que je passe là. Est-ce que je fais une gare en triangle? Moi je dis ça pourrait être sympa une gare en triangle. Et là ça remonte encore derrière, c'est ça? Ouais, ça remonte beaucoup. Bon, ça m'arrange pas. Du coup j'ai fait un plat ici. Et si ça remonte derrière, ça va faire moche, non? Il faudra que je tourne un peu comme ça, voilà. Voilà, un truc comme ça, à la limite, ça va passer. Et là, on se met sur du plat à cet endroit-là, voilà. Ah, la courbe est bonne, par contre. Elle n'est qu'à 139 km/h. Hop, autant prendre la vitesse maximale. Voilà. Voilà, quelque chose comme ça. Nickel. Nickel, nickel, on a une bonne distance, donc une gare ici en triangle. Comment je fais? C'est vrai que ça manque des gares vraiment custom qu'on pouvait faire avant dans DPF1, avec des quais qui se séparent en courbe, ça aurait été top. Mais on n'a pas ce qu'il faut, donc je peux essayer de placer deux gares, admettons. Admettons, là, ligne droite, hop, ici bifurcation. Bifurcation électrifiée pour l'instant, donc oui. Bifurcation à 90 km/h, admettons. Là, on va continuer un bout de ligne droite, hop, juste ici. Voilà. Hop, et là, ça ici. Voilà. Vous voyez, l'idée, c'est de faire un peu un truc comme ça. Et une fois qu'on a ça, ce qu'on fait, c'est qu'on place. Tout simplement, alors on peut pas plus, non, on peut pas supprimer plus, ok, c'est dommage. On va faire autrement. Est-ce que déjà je peux placer ma gare? Hop, bâtiment. Ouais, admettons une vieille gare ici. Hop, 240 mètres, hein. C'est juste une petite gare de passage. Est-ce qu'elle passe ma gare là?
Elle passe, mais pas, mais trop juste. Ok, donc on va agrandir un peu la voix. Voilà, hop, admettons là comme ça. Là, si je replace ma gare, qu'est-ce que ça dit? Là, je pense que c'est pareil, c'est trop juste. On va essayer. On va essayer, et donc là, je reprends l'outil voie ferrée, pardon. Voilà, juste ici. Et à partir de là, hop, je fais juste ça. On s'en fout, voilà. Voilà, juste pour pouvoir supprimer la voie là. Et là, est-ce que ça passerait une autre gare ici? Peut-être une gare moderne, là, pour le coup. Histoire, on va dire qu'il y a une partie de la gare qui a été modernisée et pas l'autre. Voilà, parfait. Un truc comme ça. Un truc comme ça, c'est ce que je voulais. Hop, donc là, on remet le rail. Et là, après, oui, il faudrait trouver une magouille pour mettre... Enfin, j'aurais peut-être dû mettre les bâtiments à l'intérieur. Admettons, là, je remets la gare à l'intérieur. Voilà, ça, c'est trop moderne, ça. Donc, c'était quoi, c'était ce bâtiment-là? Non, ça passe pas. Ouais, les bâtiments sont trop grands, en fait. Ok. Ok, ok, les bâtiments sont trop grands, c'est pas grave. On va peut-être faire une sortie. Est-ce que j'ai des trucs pour sortir? Ouais, j'ai les escaliers, là, mais... Bon, admettons, on met des escaliers. Voilà. Hop. Là, pareil, on remet des escaliers. Après, j'aurais pu bourrer de quais, hein, finalement. J'aurais pu enchaîner les quais comme ça. Mais vu que c'est pas aligné, ce sera pas joli. C'est dans quoi? C'est dans divers. Hein. Hop, hop, hop. Hop, voilà. L'idée, c'est de faire ça. Alors, il y a deux bâtiments voyageurs, certes. Mais c'est pas gênant. Et puis, au milieu, il y aura des chemins, du coup. Et on fera relier ces deux gares. Je pense qu'on est pas trop mal là. Je pense qu'on est pas trop mal. Vous voyez, une petite partie moderne, genre ils ont modernisé, c'est ce qui c'est la partie électrique qui est un peu moderne. Et là la partie diesel à partir de là, hop, qui n'est plus électrifiée. La gare est électrifiée mais plus là. Quoique, on va électrifier encore un tout petit peu. Parce qu'on a dit qu'on ferait un triangle. Et pour les manœuvres dans le triangle, ce serait RP d'électrifier. Voilà, donc là, hop. Et voilà, on va électrifier jusque là, pas plus. Et là, on repart à 140 en diesel. Voilà, vendu. Hop, une petite courbe là-dedans. Voilà, est-ce qu'il faut que je monte là? Ouais, non, on va pas monter. On va rester comme ça, on terraformera un peu pour faire plus joli. Mais on monte pas. Hop, voilà. Là, je passerais bien pareil, là au milieu, là. Plutôt que de faire une grande boucle. Là, une petite courbe serrée. Enfin, serrée, à 140 km, ça devrait passer quand même, je pense, voilà. Une grande courbe, du coup, là, comme ça, hop. Et là, pareil, sur du plat, ouais, c'est un poil en dessous, mais bon, c'est pas grave, on terraformera. C'est pas un souci. Hop, voilà, là, comme ça. Hop, une gare à cet endroit-là. Hop, pareil, une gare semi-moderne. 240 mètres. Du coup, ça, c'est 240, c'est ça? Ouais, c'est 240. Donc là, les trains, il faudra faire une ligne de TER, entre guillemets, qui ira là, sur cette ligne-là. Et qui s'arrêtera à Albi, mais j'ai pas de quai à Albi. De prévu pour, à part celui-là, mais qui est déjà prévu pour l'autre ligne là-bas. Ouais, on verra à Albi ce qu'on fait. Peut-être que j'ajouterai une voie. Pourquoi pas? C'est pas impossible, c'est en vrai, de rajouter une voie. Donc pourquoi pas. Hop, voilà. Et là, une petite courbe à 120. Ah, il faut monter là. Selon le jeu, il faut monter ou je fais un tunnel. Oh, en vrai, un tunnel là, c'est pas déconnant, hein. C'est pas hideux. Allez, on valide. Voilà, comme ça. Pas mal ça, pas mal. Hop, et là, on arriverait donc à notre terminus qui serait là, qui serait une petite gare diesel, voilà, tout simplement. Hop. Voilà.
Et voilà. Ah là je suis en hauteur, je suis trop haut, c'est ça? Quel enfer. Mais d'où on descend d'un coup comme ça là? Bon, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller un peu plus à gauche. Voilà, à partir de là, hop, on va tourner à gauche un peu plus directement. Hop, admettons là comme ça. Là, ça va être un peu plus plat. Et la ville, du coup, elle sera par là. Voilà, parfait. Là, on est plat, là. Hop, donc la gare, on va la poser là. Donc, 320 mètres de voie. On va mettre... ouais, 4 voies. Allez, 4 voies pour l'instant. On verra par la suite. On va faire comme si la ligne continuait après à l'étranger. Et j'ai pas désélectrifié la gare, par contre. Donc il faudra s'en occuper. Ah mais après ça descend là-bas, donc c'est pas ouf. Bon, un peu de plat comme ça et ça passera. Voilà, un peu de plat là, hop. Pourquoi pas un viaduc ici, allez, soyons fous. Reprenons le pont du jeu. J'ai trop de ponts, j'arrive pas à... Mais ce mode-là, il faudrait que je le vire, je m'en sers pas déjà. Mais ouais, le pont que je veux... Non, pas celui-là. Non, je veux vraiment le pont du jeu. Voilà, le pont du jeu de base, je suis là. Hop, voilà, et là. Voilà, là comme ça. Et ça part ensuite ailleurs. Voilà. Là, on est bien, là. Là, on est bien. Le petit viaduc là. Hop, et voilà. Donc on va déséélectrifier la gare, vu que c'était une erreur de ma part de l'électrifier. Hop, on enlève les caténaires. Voilà. On place de nouvelles voies à 30 km/h. 30 km/h du coup, elles sont plus devant, elles sont là, voilà. Hop, on va faire un truc tout bête. Surtout de ce côté-là qui sera pas utilisé. Voilà, on peaufinera après les gares. Hein. Je pense, ouais, un jour on se fera un live Twitch où j'améliorerai tout ce qui est amélioré. Hop, là une petite voie, ça sera pas mal là par contre. Voilà, parfait. Hop. Et là, on peut mettre à 60 ici, ça peut être sympa, un peu plus de vitesse. Hop. Par contre là j'ai pas de ligne droite. C'est étrange ça, pourquoi ça me met pas une ligne droite? Je descends, non? C'est pas fait à plat ça, on va recommencer. On va recommencer parce que j'ai un doute sur ce que j'ai fait. Voilà, là c'est mieux là je pense. Voilà, parfait. Hop. Voilà, et là pareil. Voilà. On modifiera après tout ce qui est à modifier pour que ce soit plus joli. Là, on va déjà placer la ligne. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Ça, c'est électrifié ou pas du coup? Eh oui, c'est électrifié. Il me semblait bien. Hop, on enlève ça. Ça, c'est normal que ce soit électrifié. Et voilà, après, on repasse là. Et on va à Lérouville. Ok, vendu. Donc, on va placer les signaux. Combien de temps? Déjà 20 minutes de vidéo. Ouais, on place les signaux. On va faire un truc bête et simple qui fonctionnera. Hop, là je place des carrés de sortie. Alors je mets pas des potences de partout, je mets vraiment les potences sur les grosses gares. Là-dessus, des petits carrés comme ça, ça sera largement suffisant. Hop, voilà. Là après on prend les sémaphores, ils sont de l'autre côté, ils sont là. On va en placer un ici. Hop, voilà. Et un de chaque côté du quai ici. Hop, ensuite un autre par là. Voilà, et ensuite on arrive là. Donc là, le triangle on verra après. Là on va juste faire fonctionner un peu la ligne, histoire d'avoir de la diversité en termes de matériel. Hop là du coup, un carré là, un carré là. Un truc avec l'idée juste ici. Voilà. Ensuite on reprend les sémaphores. Là on en mettra un peu plus du coup vu qu'il y a plus de lignes. Voilà, un là. Un là.
Et après on arrive sur la ligne qui est là. Donc on va juste en mettre un là. Hop, vendu. On arrive en gare, on repart de ce côté là. Donc là un petit 30. Voilà. Ensuite les sémaphores ici. Hop. Un autre par là. Ensuite en gare. Voilà. Ici. Un autre là. Ouais, là, il faudra vraiment tout terraformer. Eh, je vais galérer, hein. Souhaitez-moi courage, hein. Moi, je vous dis que là, je vais... Ça peut être de tout repos, là. Il y a du taf, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de taf. Hop. J'ai pas raccordé ici. Mon mauvais. Je suis mauvais. Hop, donc rail électrifié, oui. On va essayer de faire une bifurcation à au moins 90 km/h. Voilà, un truc comme ça. Hop. Ah, j'ai pas les 90 là par contre. Bon, ce sera 80, c'est pas grave. Allez, 80, c'est bon. Voilà, 80, c'est parfait. Donc là, on reprend nos signaux. Du carré. Pourquoi j'ai mis des carrés d'ailleurs de ce côté-là? Bon, c'est pas grave, on changera une autre fois. Hop, là, on remet celui-là. Et là, on reprend nos sémaphores. Un ici. On va remettre un là. Et là, hop. De nouveau, on va mettre celui-là. Allez, celui-là. Voilà. Un carré ici. Et on remet ça ici, là, comme ça. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Ce qui nous donnera du coup deux lignes. La première ligne qui va là, hop. Qui va. Ah ouais, du coup, quel est l'intérêt de faire passer le train? Ah, ça, c'est une bonne question. Quel intérêt j'ai à faire passer le train diesel par la voie diesel qui est là? Et non pas par la voie, entre guillemets, plus rapide qu'il y a ici. Il faudrait donc desservir la ville. Il faudrait que cette gare-là soit une gare un peu plus importante. Enfin, un peu plus grande, surtout. Ouais, ok. On va faire ça. On va dire que cette gare-là sera une gare de 320 mètres et puis qu'elle, ce sera une gare de plus grande importance. Hop, voilà. On va mettre 3 voies. Donc pas de caténaire, 320 mètres. On mettra peut-être un petit feu soufrette ou un truc comme ça ici. Collision, oui, bon, collision, voilà. Collision, là, une petite collision. Ouais, ok, on va partir là-dessus. Donc bâtiment. Non, je suis en voie ferrée là, pardon. Hop, rail. Hop, pas de caténaire. Voilà, on raccordera la troisième voie plus tard. Là, je suis juste vraiment à l'arrache histoire de finir la ligne. Et je reprendrai tout ça un peu plus tranquillement. Peut-être que du coup ça pourrait faire une bifurcation par là, hein. Pourquoi pas. Je laisse en suspens. Et qu'est-ce que vous penseriez? Ah bah par exemple l'XTR, pardon. L'XTR il pourrait continuer de ce côté là après. Et admettons rejoindre cette voie là. Ah, on pourrait faire ça. Dites moi en commentaire ce qu'on en fait ici. Si on en fait une bifurcation. En vrai je serais assez chaud de faire une bifurcation de cette petite ligne là de l'autre côté de la rive. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Bref. Donc, du coup. Les Rouville. Ah non, ça c'est une nouvelle ligne. C'est pas ça que je voulais faire. Hop, ligne 3. Ajouter une gare. Tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes là. Hop. À ce signal qui est là. Et tu continues directement jusque là. Voilà. Ensuite, tu t'arrêteras ici à ce qui est là. Hop, et là, tu continueras ici. Ok. Bah là, ça me plaît, vous voyez. Bon, sauf l'arrivée, tu vas pas arriver sur ce qu'est là. On va te faire arriver sur ce qu'est... Ouais, sur ce qu'est qui est là. Voilà. Ça, c'est mieux. Ah, remarque, je vais avoir une idée, attendez. On pourrait faire en sorte que le petit TER qui s'arrête à toutes les gares ici continue à la bifurcation qui est là. Et quand même garder notre ligne d'XTR
de Gisors, Omnibus, jusqu'à Lérouville. Ouais, on va faire ça. Oh, c'est trop bien. Donc, il y aura bien la bifurcation. Il y aura bien la bifurcation, ça c'est sûr et certain. Donc, nouvelle ligne, hop. Là, là. Et donc, l'Xter, il va desservir ça. Il va aller là. Il s'arrête là. Il s'arrête là. Et il s'arrête là. Voilà, et on va te faire arriver sur le quai qui est juste à côté, hein, on va pas s'embêter. Hop. Et tu repars. Tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes à Albi aussi. Hop, ce quai qui est là. Et tu vas ensuite à Cheminot. Comment ça se passe les aiguilles ici? Ouais, bah, ouais, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Faut pas y faire mieux. Ok, vendu. Donc, achetons les trains. Achetons les trains, achetons les trains. Qu'est-ce qu'on va se prendre? Alors du coup, bah, la ligne diesel, enfin la grande ligne, ce sera des 72 000. Donc locomotive électrique. Hop, électrique, non. Électrique diesel, pardon. Je suis fatigué, hein. C'est la fatigue, hein. Vous en faites pas, hein. Donc on va prendre... ouais, la 71. Et en voiture voyageur. Voiture voyageur, passager, c'est ici. Qu'est-ce qu'on a qui pourrait être bien? Bah on a les corails en vrai, hein. Simple, efficace. On peut se prendre des corails. Je fais le tour quand même vite fait, mais allez, ouais, les voitures bébés aussi sont peut-être pas mal, hein. Non mais on va prendre les corails. On va prendre des corails. Pas les carmillons. Je pense pas. J'ai pas des corails plus. C'est bien les corails plus, mais je les vois pas. Ou je suis aveugle ou je les ai pas. Pas de corail plus. Ah, c'est ici. Ok. On va prendre celle-là. On va faire des rames blocs. On va pas s'embêter. On va prendre deux premières, une barre et 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Ah, ça fait que 200 mètres. Ah, je pensais plus long que ça, vous voyez. Mais on va se prendre ça. Hein. Ce sera pas mal. Hop, on va en acheter. Hop, et après on change les locks. Locomotive diesel. Les 72 000, où elles se cachent, elles sont là. On va prendre. Isabelle, à les yeux bleus. Hop. La 78. Ah mince, non. Alors, une rame sans locomotive, ça a moins bien marché, apparemment. Hop, voilà. C'est ajouter ici et ensuite acheter. Voilà. Est-ce qu'on met une fret? Non, pas de fret. On regardera les frettes pour le fret. Hop, la 41. Hop. Ajouter, acheter. Et voilà. Il manquerait peut-être encore un train. Est-ce que je mets... ah bah la... Attendez, j'ai mis quoi? Pourquoi plusieurs fois la 71? C'est laquelle celle-là? Elle a un blason. Je vois pas pourquoi il y a deux fois 71. Il n'y a pas de différence entre les deux. Ok, ouais, je sais pas. Bah on va juste cloner une en voyage et... Comment on clone? On peut pas cloner les deux trains là? Si, c'est si. Dupliquer, voilà. Qui nous fait 6 véhicules, 6 rames. Est-ce que 6 rames ça me suffit? Ouais, ça me suffit. Ouais, elle est vendue. On va mettre play et du coup ce sera la ligne 3. Ah non! Non, non, je suis désolé, non. À si peu près, non. Non, non, non. Ce sera la L4, bah oui. Et la L4 du coup sera la L3. Mais voilà, vous avez compris le délire. Ah ouais, non, je suis désolé, mais ah non, non, bah, c'est la L4, hein. La 72 000, c'est la L4, c'est obligé. C'est obligé. C'est la L4. Voilà. Et du coup, on va acheter les XTR, pardon, pour la L3. La ligne 3. Donc, diesel, c'est ici. Les XTR, ils sont là. Qu'est-ce qu'on va prendre comme XTR? UM3, non. UM2, UM2 de 3 caisses, ça me plairait bien. UM2, c'est celui-là, non, c'est des bicaisses. On n'a pas une UM2, ah, tricasse UM2, c'est celui-là, voilà. Ce qui fait, combien de long? 155 mètres, ouais, bah voilà. Et on va en prendre 6 aussi. Voilà. Parfait. Allez, un petit tour en cabine, la vidéo sera longue du coup, mais bon, écoutez, hein. C'est pas grave. On va laisser les trains un peu passer devant, comme ça on aura quelques croisements peut-être. On va voir. Hop, faudra que lui sorte du dépôt encore.
Et ouais, non, mais je suis assez content là de ce triangle, enfin cette bifurcation. Il y aura beaucoup de terraforming à faire. Hein. Ça, dites-vous que ça, ce sera la hauteur normale du sol après. Hein. Est-ce que je ferai pas des falaises justement? Non, peut-être pas des falaises. Mais ouais, vous voyez, grosso modo, l'idée c'est de faire un truc comme ça et de faire diminuer progressivement ensuite. Vous voyez, genre ça. Ça, ce sera la hauteur finale du truc presque. Vous voyez, hop, et là, tout là, c'est à cette hauteur-là. Tout là, ce sera comme ça. Là, pareil, on va faire un petit truc comme ça, hop. Et là, voilà, tout le long. Tout le long, là, comme ça. Voilà. Oh non, mauvaise touche. Ouais, vous voyez. Et après, l'idée, c'est de là, bah, on a encore un poil haut. On peut faire un petit palier, là, comme ça, voilà. Pour dégager un peu. Et voilà, après l'idée c'est vraiment d'adoucir tout ça pour faire un truc un peu beaucoup plus naturel quoi. Alors, je sais pas que ça peut monter des collines comme ça quand même, enfin des falaises même. Ok. Vous voyez, voilà, après voilà, on réduira un peu et grosso modo en regardant, voilà, ça devrait donner ça. Oh les Vectrons. Oh les classes 91. Oh là, c'est magnifique. Et vous voyez là, par exemple, là on peut déjà faire un truc comme ça. Alors ça, c'est un peu plus haut là, voilà, donc un truc comme ça. Hop, voilà. Quelque chose comme ça. Hop. Voilà, vous voyez, et là c'est beaucoup plus naturel logiquement, ouais. C'est quand même vachement mieux. Donc à terme, voilà, l'idée c'est vraiment de... Faut vraiment que je travaille la hauteur pour que ce soit parfait. Et que ce soit bien intégré. Et qui est-ce qu'il y a une petite falaise sur la fin? C'est pas grave en vrai. C'est pas grave en soi. Bref, 72 000. Hop, allez, on monte dans celle-là. Sur la ligne 4. Je passe le temps. Ouais, je vais essayer le temps en x3 quand même, parce qu'il est déjà tard dans la vidéo. Et la ligne est grande, mine de rien. La ligne est quand même très grande. Et donc voilà. Donc là, la gare d'origine qui est l'Hérouville, la capitale. Donc l'Hérouville qui côtoiera les... Et les 72 000. Hop. On a déjà un passager qui est monté. On n'a pas mis les villes encore en plus. Donc bon, on mettra les villes après. Ah, il y a Nixter qui ressort du dépôt. Voilà, parfait. Ils sont sympas les Nixter. Hein. J'aime beaucoup les Nixter. Donc ouais, je mettrai les villes en off. Enfin, faut que je terraforme pour mettre les villes d'ailleurs. Donc vous voyez, beaucoup de travail à faire hors vidéo. Et donc voilà, on est parti sur un nouveau côté du coup de l'Hérouville. Avec cette petite rampe un peu plus loin, voilà. Qui nous emmènera vers une ville qui n'a pas encore de nom puisqu'elle n'existe pas encore. Et là on prend un peu en vitesse, voilà, 100 km/h. La bifurcation à 80. Hop, et là on va redescendre tout doucement. Ouais, que ça fait quand même une sacrée hauteur à remblayer. Bah du coup les trains vont prendre beaucoup plus de vitesse plus rapidement. Et on devrait atteindre 160 km/h assez facilement je pense. Quoique non, parce qu'on a la gare où on doit s'arrêter après. C'est vrai que maintenant on a une gare à s'arrêter. Puis les courbes à 120 juste ici. Voilà, hop, la courbe à 120. Et l'arrêt en gare juste là. Voilà. Hop, on prend les passagers. Bon, il n'y a pas, vu qu'il n'y a pas de ville. D'ailleurs, la gare s'appelle Tours. Mais on n'est pas à Tours. Et voilà, là on est reparti. Donc, prochain arrêt, Albi. C'est vrai que c'est une sympathique, hein, avec le fleuve à droite. Et hop, là voilà, on arrive au niveau d'Albi. On voit le pont routier et la ville, voilà. Et là, on rentre en gare. Ah, il y a quand même des gens. Mais ils attendent quoi, les gens? Ah, c'est, ils attendent Nixter pour aller à Gisors. C'est ça. Ouais, ils attendent Nixter, c'est ça. Ok. Et hop, nous on repart direction une ville qui a pas de nom non plus. Hop. Petite
Petite grimpette, on passe sur le pont. Voilà, une nouvelle rampe. Un nouveau palier. Et c'est le retour d'une autre rampe un peu plus importante. Grande courbe. Le triangle, enfin le futur triangle qui n'est pas encore un. Ça sera desservi par un TER, hein, les petites gares on s'arrête pas, ce sera un petit... La petite des atterres là-dessus j'y verrais bien, ou autre chose. Des caravelles, pourquoi pas, il y a plein d'idées à mettre en place ici. Hop, 140 km/h hein, sur la L4. La fameuse L4. Hop, ouais, une petite courbe à 120. C'est automatique au meilleur des moments comme d'habitude. Et donc là on va pouvoir continuer. Le terminus c'est pas loin si j'ai pas de bêtises. Ouais voilà, il est juste là. Et on s'arrête ici. Voilà. Mais écoutez, sympa ce petit parcours en diesel là. C'est plutôt cool. Donc il y aura des villes à rajouter un peu de partout. La fréquence des trains je pense est bonne. Après les XTR là qui vont arriver, voilà, ça bouchonne un peu du coup. Ça bouchonnera beaucoup même je pense. Heureusement que les voies sont mutées à 60. Parce que, ah oui, eux du coup ils vont prendre ils prennent la zone un peu plus tôt, donc ils ont plus de chances de passer en premier. Vous voyez là lui, hop, il va arriver. Ah non, c'est bon, il peut partir quand même. Ok, ça va. Ça va peut-être bouchonner un peu. À voir avec le temps si c'est améliorable ou pas. On va voir. C'est vrai que là, on va commencer à avoir quand même beaucoup de circulation. Donc, faudra voir. Faudra voir si c'est fluide ou pas le trafic. Je pense le fait d'avoir deux lignes sur la même voie ici, ça va perturber un petit peu. Il faudrait peut-être juste rajouter un quai, vous voyez, et séparer un peu les trains. Histoire que les deux trains peuvent se mettre à quai et libérer. En fait, faudrait, ouais, c'est juste libérer cette zone-là. Qui pourrait être pas mal. Ou sinon, je supprime ce feu-là. Hein. Mais je sais pas si c'est une bonne idée non plus. Ouais, vous voyez, les XTR sont quand même pas mal. Bon, on verra à l'usage comment ça rend. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. A très vite pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde!